Face à la promenade des Anglais, la villa Masséna, c'est ici que Nadia a regardé le feu d'artifice le 14 juillet dernier. Elle y revient pour la première fois. En un an, je ne suis jamais revenue ici. Et je peux vous dire que ça me fait un drôle d'effet. Ça réveille beaucoup de souvenirs. Et là, j'ai quand même voulu faire le pas, oui. Parce qu'il faut vivre avec. Frôlée par le camion au moment où elle rentrait chez elle, Nadia a passé la nuit avec son compagnon à recouvrir les morts, réconforter les vivants et protéger les cadavres des pilleurs. Je fais toujours des cauchemars. C'est ces images qui s'en vont pas. Les visions de tous ces corps, de tout ça. On ne peut pas oublier ces atrocités, c'est trop dur. Malgré son traumatisme, Nadia sera présente aux commémorations. J'appréhende un petit peu, mais je me dis, Nadia, courage, il faut y aller. Parce que dans mon cœur, je vais leur rendre un hommage magnifique. Je leur dois ça. Nadia espère que cet hommage, un an après, sera une étape qui l'aidera dans sa reconstruction.